Bonjour à tous, bienvenue sur Électron Libre, reportage auto avec Mr Jackson. Salut. Et les filles derrière. Et nous sommes en route pour le Giga Atelier. Là, on est sur la route d'Amiens. On est bientôt arrivé là-bas. Il nous reste combien de kilomètres? 66 kilomètres. Et il fait beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça coûte cher ce truc. Mon fils, c'est qui c'est? T'as le bouton, regarde là, t'as une flèche. T'as deux flèches là ici, je crois. Regarde ici, c'est ça. Ah oui, je crois. Bravo. Ah, quel talent. Oh, on reconnaît les geeks. J'ai trouvé ça alors que j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, j'ai laissé mon téléphone là-bas, il m'a pris en photo. Ah non, mais ça va alors. Il traque ton petit sur le truc. Ouais. Il envoie. Je crois qu'on va les poser par terre. T'as cassé ta suspension ou quoi? Non, bah t'aimes pas. Si, j'adore. Ça va et toi? Ça va la pêche? Ouais, bah ouais, j'ai pris un petit nez de poule et puis. Bon, là par contre, c'est définitif, tu rentres pas chez moi là. Là, c'est sûr, là tu passes là, pas dans mon atelier. Attends, on va faire autrement. Ouais, tu peux la monter. On va faire autrement, regarde. Hop, on va se rapprocher un peu. Ouais, ouais. C'est la grille. C'est insolent. Ah, bah voilà! Ah, bah, là tu rentres! Là, je devrais rentrer. Ça fait même le bruit de trône. Ouais. Il est un peu chargé, il a du mal à monter derrière, mais. Merci Mickaël. C'est toi qui l'as monté? Non, c'est Mickaël. Oh ma dieu! Ah ouais! Ah, t'en as mis deux de compresseurs. Trop mignon. La mascotte aberrante. En référence au hérisson quand t'achètes une Tesla. Exactement, c'est ça. Caché. Ça arrive tranquillement. Non, mais c'est pour ça que ça allait vraiment plus fort. Moi, je ne vais pas avoir à charger. Moi, j'habite à 5 minutes. Ils vont voir la concentration de voiture. Ouais, bah ils vont voir. Un petit peu de Tesla. Hein. À peine. Il y en a peut-être 4 ou 5. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. 5, 6, allez. On va faire un petit peu le tour du parking, qu'est-ce que t'en penses Greg? Let's go. Voir un petit peu ce qu'il y a. Il y en a même qui sont venus de l'étranger. Ouais. Et regarde, c'est la Gigafest Berlin. Ah ouais, la classe. Ah ouais, la classe. Là, ça y est, ça démonte là. Ah bah ça. Combien de Tesla aussi là? Attends. Encore, ils sont pas tous arrivés. C'est une assurance bagnole. C'est quoi toutes ces bagnoles là? C'est pas. Bordel. Attends, ici. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a une queue pour le superchargeur en fait. Ah, j'ai bien fait d'y aller tout à l'heure. Et les mecs, ils ont pas de goût, ils achètent tous les mêmes bagnoles. C'est bah ouais. Ils ont aucune imagination, c'est pas possible. Enfin bon, on en est tous contents. Ah putain, merde! Ah, je veux l'autre côté de la vidéo. Hein. Salut, salut. Ça va bien? Merci. Salut, monsieur Greg.
Comment vas-tu? Tu es arrivé avec ton fils, c'est ça? Yes. Et ma fille aussi. Et ta fille? Là-bas. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? On est arrivé à 8h30. 8h30, t'as mis combien de temps? Oh, moi je suis pas très loin, hein. J'ai mis 2h. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Combien de kilomètres a ta Tesla? 73 000. 73 000? Ouais. Et elle a combien de comment c'est quoi la question déjà que je voulais te... De perte d'autonomie? Oui, voilà. Actuellement. J'ai pas noté vraiment de perte. Quand je l'ai eu, elle affichait 480. Oui. Et là, elle affiche 465 à 100%. Et as-tu noté ce matin une surconsommation ou pas avec ta... Ce matin, elle a consommé. J'étais à 20 kW. Ah bah, ouais. Tu vois, j'étais pas... On était 3, on était 4 avec le chauffage. Donc c'est normal. C'est exactement ça. Parce que moi, avec mon modèle Y, tu vois, ce matin, j'ai noté... près de 19 kWh, 18,5, ouais, ouais. Alors que je suis jamais à 18,5. Ah ouais, moi, et j'ai consommé près de 23 kWh pour faire moins de 120-125 km maximum. C'est pas étonnant, non, c'est parce que avec le froid. Énormément. Dis-moi, il me semble que tu vas acheter une Tesla, non? C'est prévu, mais pas pour tout de suite. Ouais. Pas pour tout de suite. J'ai été dans le 77 chez. Comment il s'appelle déjà le mec? Custom, ouais. Il m'a dit qu'avec ton papa vous passiez souvent là-bas, ouais. Et que tu seras très prochainement possesseur d'une Model 3. Avec un gros projet dessus, ouais. Bah, écoute, c'est exact, c'est prévu. Bah, c'est on dit rien alors. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va la copilote? avec ton papa, t'es sur toutes les vidéos. Hein. Ouais. Tu l'accompagnes partout. On la voit grandir. Non, bah, c'est bien. Bon, bah, je vais vous laisser tranquille. Ouais. Ouais, je vais vous laisser tranquille et je vous dis bon courage. Écoute, avec grand plaisir. Double film. Tu filmes là? Bon, bah, moi aussi. Salut. Ah, ça fait plaisir de tous se retrouver. Ah, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Oh, il y en a un, il va être vert, c'est Eric, parce qu'il veut absolument te rencontrer. Donc là, quand il va te voir en vidéo, il va dire: ah merde, j'aurais dû venir. À bientôt. Il n'y a pas de soucis. Ouais, ouais. Il adore ta chaîne. Donc, spécial dédicace. C'est gentil, merci. Qui n'aimerait pas ta chaîne en même temps? On aura d'autres occasions. Bah oui. On aura d'autres occasions, de toute façon, il n'y a pas de soucis. Bah oui, bien sûr. C'est clair. C'est cool. Ah, ça fait plaisir. C'est une super belle journée. Et là, ça change vraiment. On s'était vu ici il y a 2 ans, du coup. Oui, exact, exact. On était 30 en bas. Tout en bas, là, ouais, c'était génial déjà. On va rajouter un zéro, c'est même pas qu'on rajoute un zéro. Ah non, là c'est. À 400, on a rajouté un zéro plus 100. C'est affolant, affolant. C'est là qu'on voit vraiment la transition, à quel point c'est cool. On commence vraiment à s'intéresser à l'électrique. Et, ah là, oui. Il y a de la motivation là. C'est clair. On continue dans les allées. Bonjour. Bien. Ça va et vous? Ça va. Bonjour. Alors ça démonte? Ouais. Et Vérin? C'est sympa de le voir en vrai, le youtubeur. Ah, c'est gentil. Trollbox. Allez, deux youtubeurs pour le prix d'un. Tu fais quoi, les Vérins? Ouais, les Vérins. J'essaie, mais j'ai de l'aide. Donc, ouais. Il faut. Ça, je pense que tout seul dans ton garage. C'est pas la même histoire. Et n'empêche, quand on avait fait les Vérins avec Steph, ouais. la dernière voiture ouais. qu'on a fait, du début du montage jusqu'à ce que ça marche, 22 minutes. Oui, il y a de la performance. On était 5. Vous en aviez fait combien avant? On en a fait 8 et on était 5 à le faire en même temps. 5 autour de la voiture. Ouais. Enfin, il passait les outils, l'autre il passait les fitacs. Ouais, 22 minutes, le record. Incroyable. Il faut le petit tonne maintenant. Mais... J'imagine, il doit avoir. C'est sympa, même pour M6. Ah, c'est cool! C'est un plus, ouais, voilà. C'est cool! Ce qui est con, c'est Tesla. Ouais, ils ont rien voulu faire, Tesla, toi. C'est ce qui est dommage. Franchement, par rapport à la marque, il leur a dit, ils ont même pas voulu. Hein. Ah oui, d'accord! Ah oui, en 2009, c'était le Roadster qu'ils avaient. Ah oui, ils avaient. Deux, trois, deux, ça me dit. Ouais. Tu vas aller chez alors, c'est une équipe des couleurs. La team white, la team black, la team booster, la black est là, la team rouge, la team grise, et la team, j'en oublie une, blue. Blue. Alors, pour lancer le Giga Game,
Tiens, bah. Ils vont vous mobiliser. Donc chaque couleur va mobiliser son équipe. Je vais passer successivement le micro à chacun. On se présenter. Et ça va être votre capitaine d'équipe. Et chaque capitaine va qualifier 3 personnes sur 3 jeux. Le premier jeu, ça sera Super Mario, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, Beach Buggy, je ne sais pas quoi. Le deuxième, ça sera Lunar. Et le troisième, ça sera Gravitar. Voilà, j'espère que vous êtes bien entraînés. Je passe la parole à l'équipe vainqueur, les boosters. Je dis vainqueur parce qu'on va gagner. Alors bonjour à tous, moi c'est Jérôme, la chaîne Electron Libre. Et donc si vous voulez gagner, il faut venir dans mon équipe. Hein, parce que sinon vous allez perdre, ce serait dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Bonjour tout le monde, je pense que certains commencent à me connaître. Hein. Moi c'est Nikola Tesla, ça s'invente pas, hein. Je m'appelle Nikola, je roule en Tesla. Donc vous savez que la meilleure team, c'est la team bleue. On a récupéré tout le bleu du ciel pour le mettre sur nos voitures. Donc maintenant, il va falloir gagner les jeux. Donc je compte sur vous. Donc, en principe, c'est facile pour nous. Laissez un peu de place pour les autres, mais on va essayer de gagner quand même. À tout à l'heure. Bon, bonjour, moi c'est Xavier, de la chaîne Xav Tesla. Donc j'ai vu pas mal d'abonnés. Donc merci, vous êtes vraiment très nombreux. C'était vraiment sympa, toutes ces rencontres. Et team rouge. Donc, on va trouver les meilleurs de la team rouge et venez vers moi hein, dès que vous avez un bon score, que vous pensez être... Non, c'est de l'anti-jeu là. Donc, je pense que les rouges vont gagner. Allez. La voiture est rouge. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier Galmand, mais je n'ai pas de chaîne YouTube, désolé. Je suis capitaine de la team Black et on est la meilleure équipe, donc ça devrait le faire. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Charles de la chaîne Tesla Geek, ça s'invente pas, donc les jeux, c'est nous, c'est la team grise qui allons gagner, c'est sûr, c'est dans les gènes de la chaîne. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? De toute façon, le rouge, le bleu, pour moi c'est des personnes qui rêvaient d'être soit pompiers, soit d'être gendarmes dans leur enfance. Quand on est geek, on est normalement meilleur en jeu. Ceux qui ont une Tesla noire, ils savent qu'elle se micro-oreille, ça fait des traces blanches, le blanc et le noir, ça fait gris, ça s'invente pas. Et ensuite, on a les blanches. Bah, les blanches, de toute façon, elles se salissent. Et quand elles sont salies, quand elles sont sales, elles sont grises. Donc, elles veulent toutes être grises. Et puis, les boosters, monsieur Electron Libre, tout ce carbone, là, c'est quelle couleur? C'est gris. Bah oui, c'est gris, monsieur. C'est gris. Bah oui, mais du coup, c'est gris. Elle n'est plus rouge, elle est grise. Donc, en fait, si tu gagnes, c'est un peu nous aussi. Alors, venez nombreux rejoindre la team grise avec Armel, qui sera co-coach avec moi. Donc, je lui passe le micro. Bon, bah, bonjour. C'est Armel de la chaîne Armel Hightech. Donc, ben, Steph, tu le savais déjà, entre Tesla Geek et Tesla High-Tech, Geek, High-Tech, ben, vous avez compris, forcément, c'est notre équipe qui va gagner les premiers Giga Games internationaux. Merci à vous tous d'être présents, toutes ces rencontres. Et puis, ben, les grilles, on vous attend, et puis on va les regarder jouer. Team Blue ! Merci à tous. Donc, on vous laisse quoi ? Une demi-heure, trois quarts d'heure pour trouver les vos champions ? Une heure ? Une demi-heure. Donc une demi-heure, il est 15h11, donc à 15h45, on se retrouve ici avec vos 3 champions. Non, c'est toi qui te débrouilles avec eux, tu leur fais confiance. 3 joueurs, un sur Beach Buggy, un sur Lunar, un sur Gravitar. Et chaque vainqueur de couleur rencontre, enfin, feront l'épreuve avec les autres couleurs. Il y aura des lots pour tout le monde. Enfin, pour tous les 18 finalistes. Allez, au boulot! Et pour la team bleue! Allez, à vos voitures! Je crois, mais je sais pas. C'est mais regardez-moi ça, ces tricheurs là qui viennent déconcentrer mon champion! Hein, c'est une honte! Tous les coups sont permis, on l'a dit, hein. Tous les coups sont permis! Laisse un peu les autres là! Non, mais ça, c'est l'heure. Ça y est, t'as fait ton compétiteur, il a chié. Il avait 20 minutes qui était dessus. Laisse un peu les autres jouer. En plus, t'as fait que ce jeu-là, il y en a 3. Bah, il fait l'impasse sur les 2 autres. Ouais, je vois ça. Ouais. Pareil, ouais. ça va être la loose, on saura même pas le mettre en route le jeu. Alors, tous ceux qui sont qualifiés pour Lunar. Vont voir Xavier. Bah en fait, en gros, tu vas sur celle-là. Point d'arbitre. Non, c'est Bix Buggy. Ouais. Oui, mais tous les fois. Oui, bah oui. Tu peux faire l'arbitre. On a pas 50. Bon, les grilles ont gagné.
Donc tu regardes les trois candidats et puis tu relèves celui qui a gagné. Bon, on est d'accord, vous avez trouvé trois téléphones. Oui. Alors, vous prenez une photo du coup du score que vous faites. C'est qui? C'est le champion. C'est le champion. Ça fait combien en standard? Dis rien, regarde-le pour toi. Regarde-le pour toi. C'est la technique. T'inquiète pas pour les grilles. On va voir si je vais trouver ta punition de téléphone. Je suis en 2-0. Mais oui. Ah, mais elle va vouloir aller jouer dans la voiture maintenant. C'est vrai qu'il y en a qui sont. Pour s'améliorer. T'avais une chance. Hein. Sadique. Tu savais pas ce qu'elle a fait. C'est vrai, il me reste mon PC. T'as envie de nous en parler? Je me perds. Tu veux nous en parler? J'ai cassé mon téléphone. Oh, elle en voulait un nouveau. Ah. Du coup, elle l'a cassé. Non. Ah ouais, c'est pas très non. Développement durable. Non. Ah ouais, là, ça va être chaud. Bon Greg, tout le monde compte sur toi, n'est-ce pas? 2-11 score à battre. On va essayer. Tu m'éclates ça, hein? Je ne promets rien. Si en plus t'avais une chaîne de gaming, ouais, et que tu te fais battre par une ah ouais, fille. Oh la honte. Et en plus c'est en direct, hein, sur ta chaîne. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants quand même. Et c'est un peu déloyal cette histoire. Ils auraient dû jouer en performance et lui en normal. Ouais. C'est vrai. Je suis pas sûr de gagner, faut pas. Non mais on est là pour te distraire, t'inquiète. Allez. Fais péter. Vas-y. Lance. On donne tout. Et si je bouge les roues. Les écoute pas, concentre-toi. Si je peux les bloquer. Tu t'en fous, t'écoutes personne. Non, ça a pas l'air de beaucoup fonctionner. Non, ça a pas l'air fonctionner. Bon. J'ai un truc de ouf. Vas-y, fonce. J'ai un truc de ouf. Mais bah, ça marche pas trop. Wow, allez. Il a le boost. Il a le boost, oui, c'est bon ça. C'est bon ça, allez. Oh là là, oh ça j'aime pas ça. J'ai la bobine de Tesla. Allez. Et c'est l'arrivée. Et attends. Combien? Putain, non, mais non. Oh la honte. Bon, il y a quand même Cyril Drevet qui est à bord de ma voiture. Et qui fait. Qui joue. Ouais, tu vois, j'ai même pas encore l'occasion. Bon, elle a rien, Personnalisation. On va peut-être l'avancer après la voiture. Est-ce qu'il y a un son changé? Non, il n'a pas fait ce temps, il a un gros. Il a changé tes triangles. Oui. Ouais. Mais bon, ça va, heureusement. T'imagines, elle s'est arrêtée. C'est ça. Cacophonie. Ouais. J'avoue. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous repartons donc de Dury. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Le record mondial a été battu avec 359 Tesla. Le précédent record étant de 340. Donc félicitations à Stéphane de la chaîne Tesla 3 pour cette organisation hors pair.
Et vraiment, j'ai été ravi de rencontrer beaucoup de mes abonnés qui sont venus me voir avec gentillesse. C'était extraordinaire. Et vraiment, on a passé une journée. On l'a pas vu passer en fait. Hein. C'est vrai, on est arrivé ce matin à 8h30. Il est 19h14 et on n'a pas vu la journée passer. C'est assez incroyable. Donc, c'était vraiment extra. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre Portage Auto. Salut à tous. Salut. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, ben faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut !